6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h02, soyez les bienvenus sur Énergie, qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Énergie. Le coq. C'est bien que ce soit un coq qu'on fasse chanter. Bah oui. Ce sera un cochon, vous savez qu'on amène le cochon. Wow, il est 9h02. C'est pas... On a du pot, mine de rien, sur notre planète Terre. Si ça se trouve, il y a une planète ailleurs, dans le système solaire, je sais pas où, quelque part, loin dans une galaxie, où le matin, les gens se font réveiller par... C'est comme ça chez eux. Allez, 9h03 sur Énergie. Juste après nous, c'est dit à la suite. Évidemment, comme chaque heure, il y aura Stromae, il y aura Shakira et Rihanna, mais on n'est pas encore parti. J'ai le con du jour. Ça fait une heure que j'essaie de le placer dans cette émission. Je n'y arrive pas. Je vais vous raconter son histoire au cours du jour, juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, parapluie ou kawé si vous êtes d'une autre époque pour éviter la pluie annoncée ce matin sur le 84 et le long du Rhône. On ne s'éloigne quand même pas trop des lunettes de soleil puisque le soleil va revenir d'abord dans des éclaircies cet après-midi. Au thermomètre, les valeurs maxi vont grimper jusqu'à 14 degrés. On a 9 degrés actuellement à Avignon. Une bonne nouvelle pour commencer, on est à quelques heures des vacances pour la zone B et l'Académie d'Aix-Marseille notamment. 15 jours de repos jusqu'au 10 mars. Encore une semaine de patience pour l'Académie de Montpellier et la zone A. Sur la route, certaines d'entre vous vont prendre la direction des stations de ski. Ce vendredi est classé vert par Bison Futé. On passera à l'orange, voire au rouge demain en Rhône-Alpes. L'Ukraine pourrait sortir de la crise. Le pouvoir et l'opposition auraient trouvé un accord la nuit dernière. Il pourrait être signé dans la journée. Les discussions ont commencé hier sous la pression de l'Union Européenne. La journée a été marquée par de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants pro-européens. Le bilan dépasse les 60 morts à Kiev. L'actu sport avec du foot et la 25e journée de Ligue 2 ce soir. Un derby au programme pour Arles-Avignon qui reçoit Nîmes. Il faudra se méfier des crocos ce soir. Ils viennent d'enchaîner 3 matchs sans défaite dont 2 victoires. Alors que côté ACiste, on a mis fin le week-end dernier à une série de 10 matchs sans défaite. Le gardien Ludovic Butel. La série s'arrête donc c'est toujours une déception. Après, voilà, on s'est remobilisé et on s'attend à un match compliqué face à une équipe nîmoise qui a retrouvé des couleurs, qui est sur une série de 3 matchs sans défaite, qui fait de belles prestations. Ça va être compliqué, ça va être aussi un bon match, je l'espère, pour les personnes qui y vont assister. Et nous, comme on le fait à domicile, il faut qu'on soit performant et qu'on prenne des points pour assurer le maintien. Et 42 points, c'est ce qu'il faut aux essayistes pour s'assurer le maintien. Coup d'envoi de cette 25e journée à 20h. Côté Ligue 1, Monaco reçoit Reims ce soir. Marseille-Lorient, c'est pour demain après-midi. Le PSG est toujours à Toulouse dimanche après-midi. En rugby, la France affronte ce soir le Pays de Galles. 3e match pour les Bleus qui restent pour le moment invaincus dans le tournoi des 6 nations. Puis un podium bleu, blanc, rouge. C'était hier au JO de Sochi. 3 Français sont arrivés aux 3 premières places en ski cross. J'ai jamais vu pendant les JO d'hiver. Une belle journée qui s'est terminée avec la médaille d'argent de Marie Martineau en ski halfpipe. Au total, la France compte 15 récompenses, un nouveau record. Voilà pour vos news. 9h05, bonne journée. Merci de nous avoir choisis pour commencer cette journée. On est vendredi, c'est le 21 février. On est là avec vous comme chaque matin. Juste après nous, ce sera 10 hits à la suite, comme chaque heure sur Énergie. Il y aura Stromae, entre autres. Il y aura aussi Shakira avec Rihanna. Mais nous ne sommes pas encore partis, bien évidemment. Tout le monde est là. Mélanie, la première. Toujours là. Moral est à la réalisation. Salut. Nico s'occupe du web. Ouais. Auréa, le standard, est malade. Et elle nous a pris une petite semaine de repos. Hein. Grosse maladie, mais on l'a eu hier au téléphone, tout va bien, ouais. Elle est bien et elle reviendra avec nous. On va partir pendant une semaine en vacances, ouais. Mais nous serons de retour dès le lundi 3 mars, évidemment. Et la semaine prochaine, les meilleurs moments depuis le début de l'année, on vous a préparé ça, ça va être vachement bien. Pendant une semaine, vous allez écouter ces meilleurs moments. Et c'est Cash qui sera avec vous, je crois, pendant toute la semaine entre 6h et 9h. Mais nous ne sommes pas partis, nous ne sommes pas encore en vacances. Non. Ça fait une heure que j'essaye de placer le con du jour. Ouais. J'ai pas eu le temps. Je vous ai dit que j'avais un con du jour aujourd'hui. Écoutez bien, ça se passe aux États-Unis. Un homme de 35 ans a été arrêté le jour de la Saint-Valentin pour agression sur sa copine. Ah. Autant dire qu'elle a pas passé la meilleure Saint-Valentin de sa vie. Elle va bien, la dame. Hein. D'accord. Écoutez la raison. Il s'est engueulé avec elle. Ouais. Et l'a bloqué, en fait, dans leur appartement pour cette raison. Il ne comprenait pas comment Facebook marchait.
Quoi? Écoutez bien l'histoire. Il s'est inscrit sur Facebook. Ouais. Ok. Il s'était pas inscrit avant, il savait pas comment c'était. Bon, déjà le mec a 25 ans de retard, mais ouais. Bon. Et il a commencé à regarder le fil d'info. Okay. Quand vous connectez sur Facebook, la première chose que vous voyez, c'est tout ce qui se passe en fait. Ouais, okay. Bah oui. Tout ce que vos amis font, etc. Donc t'as le fil d'info. Et en fait, il a cru que tout ce que les mecs postaient, c'était des messages qui étaient directement reliés, directement envoyés à sa copine. Oh là là, jalousie quoi. C'est au-delà de la jalousie. C'est que le mec a cru que tous les messages qu'il voyait, alors que ça n'a aucun rapport avec sa copine, c'était des messages qui étaient envoyés à sa copine. D'accord. Donc du coup, il a pété les plombs, il l'a bloqué chez elle dans leur appartement pendant 12 heures, et elle a réussi en fait à s'enfuir après et à partir. Voilà la meilleure Saint-Valentin qu'on ait pu connaître sur cette planète cette année. Moralisation. Mais quand tu connais pas un truc, à la limite, s'il connaît pas Facebook, pourquoi pas, mais il aurait dû poser la question en fait. Ah mais parce qu'il était persuadé qu'il connaissait. Ah bah ouais. Il était persuadé que tous les messages étaient pour sa nana. Oui mais enfin. Mélanie. Ce qui est bizarre, c'est que j'imagine qu'elle a essayé de lui expliquer pendant 1000 ans que ça n'était pas le cas, que c'est de lui prouver par A plus B que c'était pas ça. Mmh. Donc il était vraiment complètement débile. Ah oui? Ah oui, d'accord. Oui, non, mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Bah je vous rappelle que je vous ai dit que j'avais cours du jour au départ. Hein. Vous inquiétez pas, la nana va bien. Ah ouf. Allez, 9h08, on s'en va, on repart les amis. Nous reviendrons dans une semaine après quelques jours de vacances. Passez un bon week-end si vous êtes en vacances. Il y a un paquet de monde qui est en vacances aussi. Ouais. C'est les vacances scolaires pour plusieurs zones. Eh ben, reposez-vous bien. Si vous n'êtes pas en vacances, travaillez, mais pas trop, je le rappelle, parce que travailler trop, les chercheurs, les plus grands scientifiques le disent, ça fatigue. Oui. Même eux, ils travaillent pas trop. C'est une bonne raison de pas le faire. Dites à la suite, c'est maintenant sur Énergie. Il y aura entre autres Stromae, il y aura Shakira et Rihanna. Je dis bravo à Anthony de Noyal-sur-Vilaine. C'est notre grand gagnant sur Facebook. Il gagne une télé LCD. Facebook, notre page Facebook, c'est facebook.com/Manu dans le 6-9 pour continuer à parler avec vous. Bah, on continuera même pendant les vacances, on va poster des photos de nous, on va discuter, on va glander. Voilà. Oui, parce que nous aussi on glande la journée même quand on est en vacances. Facebook.com/Manu dans le 6-9. Notre site internet c'est manudansle69.com. Vous retrouvez tout ce dont on a parlé dans l'émission. Passez un bon week-end, passez de belles vacances si vous y êtes. Et à lundi dans 7 jours. Donc à lundi dans 7 jours. À lundi dans 7 jours. Ça passe. Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h-9h. Sur Énergie.